Avec mon partenaire Instant Gaming, profitez des jeux moins chers et des points FIFA moins chers. Plus de détails dans la barre de description. Les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc avec le résumé des playoffs, c'est parti. Donc merci beaucoup l'équipe pour les playoffs. Pour le coup, donc on a acheté Keane. Voilà. Tu n'as pas des stats dégueu, tout ça. Donc on va tester. J'avais Werner dans le club. J'ai dit pourquoi pas le tester. J'ai fait Gosens SBC. J'ai pris sa carte offensif. C'est là où il a plus de tirs pour le coup. Donc voilà. Ça, je pourrais vous donner un peu mon avis. Pourquoi on a mis Théo Hernandez aussi pour le coup. Ça nous permet de retester Théo pour le coup. Voilà. Et le côté droit, bah, ça change pas avec Miss tout ça. Donc voilà. Bon, sur le banc, j'ai du Correa que j'ai pas encore testé, mais je pourrais tester à faire rentrer. Ça pourrait être sympa. Et j'ai Vini et Mané sur le banc pour le coup. Donc, voilà. Allez. Oula. Le mec fait nimp, c'est. Fais nimp le mec, fais nimp. Non mais qu'est-ce que tu veux faire avec ces fraudes? Allez, les blocs auto, les idées photos, tout ça, allez. Vas-y, il fallait une passe D aussi, hein. Tranquille. Oh là le goat! Putain. Let's go! Moiskin! Pourquoi je dis Moiskin? Kin quoi, Rubikin. Malti, let's go. Hein, il verra. Qu'est-ce qu'il fait? Hein? C'est quoi la douille là? Il y avait Péno là. D'où il met un coup franc là? Oh là! Putain, il fallait une erreur du mec pour marquer quoi. Oh là le goat. Une belle équipe là. C'est ma. Varane il s'est fait jeter, mais laisse tomber. Par Messi en plus. Mais tranquille. S'est fait jeter quoi. GG le goat! Voilà une action construite. Qu'est-ce que tu veux faire? Voilà le goat! GG le goat! Voilà, Keane! Let's go, Keane! Oh, joli! Oh là là, c'est quoi cette frappe qu'il a mis, Keane? Il a fait une frappe chelou. Elle était vraiment chelou. GG le Keane! GG le Grout. GG. Oula, il a plein de cartes. Il rose, lui. Jekin! Allez! Mais oui, les gars! En fait, j'ai vu le gardien partir là-bas, je me suis dit, je vais les mettre premier poteau. Qu'est-ce que c'est bien joué! Le Kin! Voilà, Kin! Bien joué! Let's go le kart! Let's go! Oh, on commence par barrer là. Très bien, barrer là. Très très bien. Oh, Diego Carlos. Font pas que des bons joueurs. Pas que des bons joueurs. Oh! Je le voulais en plus. Et ben voilà. Jonathan Bamba. Et ben c'est bien, il pourra être super sub dans mon équipe Fut Champ. On le testera en playoff pour la semaine prochaine, beaucoup. C'est très 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 bien. Je le voulais en plus. C'est un des joueurs que je voulais. Eh ben, elle est belle.
Franchement, elle est belle. Il a l'agilité. Bon, il a fini sous 81, mais bon, je pense que ça passe quand même. Il a l'accel, la vitesse, l'agilité. Impeccable. Il se rend super sub dans mon équipe. Et c'est très bien. Simon Kerr. Ok. Ah, encore Eriksen. Bon, on reprend une brand pour le coup. Elle est belle, les gars. Bon, on l'a vu. Bon, à part Barrella qui est pas mal et tout. Mais pourquoi on a eu Bamba? Donc, franchement, c'est rentable. Les 78 plus, pour le coup. Il y avait encore des 78 plus avant. On n'avait pas eu trop de chance, si je me trompe pas. Et là, pour le coup, bah, on a eu Bamba. Donc, c'est très très bien. Beaucoup. Donc, il y a des petits SBC. Il y a beaucoup les 3 packs des récompenses playoff, pour le coup. Donc, on va toujours ouvrir les récompenses playoff et après, l'apter à se passer. Belge, MG. Et ce sera Thorgan Hazard. 83 plus, anglais, DD, Kyle Walker encore, ça fait deux fois que je l'ai, ah bah elle est belle, elle est belle, voilà, les playoffs, c'est très très bien les playoffs, tu fais rang 2, dès que t'as Kyle Walker, c'est très très bien, très très bien, et City encore une fois, City cette année, c'est, il y a même Cancelo dans l'équipe de la semaine, ça se trouve, je vais peut-être packer Cancelo en rouge, on sait pas, City cette année, c'est exceptionnel. Les Kyle Walker, ça coûte combien Kyle Walker? Ah, ça a un petit peu baissé. Ouais, c'est 20k. Ça va. 23 plus. Maroc. Ouais, j'avais pensé à Hakimi, mais non. C'est pas Hakimi. C'est Hakim Ziyech. Oh. J'ai attendu, mais j'ai dit s'il mettait portugais, c'était sûr, c'était Cancelo. Hein. C'était sûr et certain. Bon, Sergi Darder, c'est un boost. C'est très bien, en plus, c'est vendable. Est-ce que ça peut cacher derrière? Je pense pas, c'est peut-être des 83 plus tout ça peut-être. Mais c'est très bien, très très bien. Ok, bon. Pour le coup, c'est 10 000 crédits. Ça coûte combien derrière? Ouais, c'est 10 000 crédits. Ça sera vente rapide pour le coup. Mais c'est très très bien. Très 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 bien. Ah, dommage. Bah, portugais, âgé, et ça sera... Nani. C'est le review de l'équipe pour le coup, les gars. Alors, mon Gosen. Bon, 9 matchs, 0 but, 1 passe D. Honnêtement, Gosen. Mitigé. Vu qu'en vrai, il n'est pas agile de fou. Bon, la finition, j'ai pas vraiment beaucoup tiré avec, faut pas se mentir aussi. J'étais plus sur le côté de Werner que le côté de Gosen, beaucoup. Donc, je pense plus à gauche qu'à droite, beaucoup. En vrai, je l'ai pas trouvé, Gosen. Donc, pour l'instant, un petit peu déçu. Werner, parlons de cette fraude. 0 but aussi, 4 passes D. Il a fait des passes D, ok. Mais éclaté aussi, franchement, éclaté au sol. Bon, là, les derniers matchs, il m'a fait un peu de bien. Oui, en vitesse, c'est très très bien, pas de souci. Mais sinon, ah, il a 0 finition pour moi. Agilité, il est éclaté. Éclaté au sol, voilà. Pour l'instant, les deux Allemands, ah, nul. Nul de nul. Kin, un monstre. Voilà, c'est très très fort. Bah, 9 matchs, 7 buts, 3 passes D. Largement mieux que Werner et Gosen. Voilà. Donc, Keane, j'ai très très bien aimé. Donc, voilà, mon Théo. J'avais déjà très très bien aimé et très très fort aussi, pour le coup. Donc, voilà. Pour le coup, j'ai pas testé Correa, en vrai. Je l'ai pas fait rentrer. Voilà. C'est soit je le mettais en pointe, soit en 10, mais je préférais laisser Messi et Keane. Donc, voilà, mais peut-être pour le prochain playoff, peut-être que Correa, je le mettrais. Je le testerai peut-être, donc voilà. Mais en tout cas, voilà, Gosen, Werner, ah, je vous les conseille pas, vraiment. Après, peut-être que le Gosen, qui a plus de défense, est peut-être meilleur. Je ne sais pas. Mais pour l'instant, pas fou. Après, vu qu'il a pas de... Et qu'il est en 3-3, c'est compliqué. Je pensais qu'il allait au moins être bon, c'est en finition et tout ça, mais vu que j'ai pas eu de face-à-face ou de tir en vrai avec Gosen, bah, c'est compliqué. Beaucoup les gars, bah, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à partager, et à commenter, et n'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la cloche, n'hésitez pas à aller sur mon Twitter, sur mon Insta et sur mon Discord. Moi, si ce soir, je vous laisse, mais quand même, ciao.